Le rêve américain, le rêve américain, le V8 de sa mort. Fuck yeah. Nice car, dude. Tupac Shakur. Respect les gars. Put some respect on it. Detailing, detailing, detailing. Y'en a marre du detailing. Tu fais chier la police. Tu me fatigues. T'es un abruti. Tu fais chier, je vais m'énerver. J'aimais bien la mobilette, mais c'est fini. Voilà, va pleurer bouffon. Voilà, dégage, connard. On s'en fout de ta vie et de ta mobilette. What do we want? Fame. When do we want it? Now. Sous le soleil, Californien. America! Fuck yeah! Salut les copains et les copines, bienvenue sur la chaîne de Daddy! Le beau gosse et les belles gosses, les Jenny, en Californie. J'espère que vous allez bien. On y va, on va rider. Let's go! Merde, merde! Backlife! Backlife les copains, j'ai tout raté. Une horde de sauvages là-bas. Des sauvages! Des sauvages, backlife. C'est pas grave. Timing is everything, il est là! Le sauvage, the savage one. Voilà, c'est pas fini les gars, heureusement j'ai le shot, un petit peu de shot en Californie, 100% légal. Ali, le prince de la street. Si, si, il a dit bonjour au Jenny avec leur mec, sans pitié, la racaille qui drague. Donc tout de suite, un grand merci pour les 113 000 abonnés. La vérité, on doit être à 113 000 au moment où tu regardes ces deux belles vidéos, en tout cas on y est presque. Et voilà, je voulais vous remercier. Alors justement, j'ai un t-shirt à vendre, il est là, il est pour toi, c'est un prototype que j'ai payé 20 balles. C'est de la merde, c'est du coton. Donc c'est du large. Si tu le veux, mets-moi un commentaire tout de suite là. Le meilleur commentaire de mes abonnés, je lui envoie le t-shirt gratos cousin de Daddy. Delta, Giro, Giro, Fion, Fion. Ok, j'en ai d'autres qui vont arriver. Donc si t'as un super commentaire du type « Hey Daddy, t'es le meilleur YouTuber de toute la planète, t'es un champion du monde, meilleur que Akram et GMK, c'est pour toi. Je sélectionnerai à ma guise. » Ok, je te mets un petit message. À ton commentaire, je te réponds avec un email. Tu me contactes, c'est pour toi, c'est gratos, cousin. I love you, daddy. I know. En plus, je te mets la sueur gratos de daddy. La sueur des aisselles. La sueur. Non, je vais laver tranquille. Alors, tu m'as demandé d'aller filmer des trucs bizarres. Je te promets, t'as des requêtes chelou, my brother. Mais on va y aller, mais donne-moi du temps. Pour l'instant, il fait chaud, c'est la canicule, je suis en vacances. Donc, tu veux que j'aille filmer, c'est bizarre, ok? Le film des années 90, la maison de tournage. Boys and the Hood, N, c'est pas in, c'est N. Donc ensuite tu veux que j'aille à Newport Beach filmer The Wage, les surfeurs et tout le bordel. T'en as des requêtes my brother. Ensuite Huntington Beach bien sûr. The Fooz, il est très fousy tu vois. Fousy la fousaille, The Fooz, on va y aller Cheap Fooz. Malibu, Pacific Palisades, Hermosa Beach, Santa Barbara, Burbank. Et bien sûr le parc de skate, Stoner Skate Plaza. On va y aller frérot, c'est pas le meilleur tu m'as dit, il est sur Instagram, je sais pas quoi. Il est populaire, ouais mais non. Il y en a plein ici des parcs de skate, reste tranquille. Venise, Downtown, tout ce qui va bien. Mais c'était tout les gars, on ira pour ton plaisir. C'est reparti les copains dans la jouissance totale. Le bonheur c'est Daddy tous les matins, jour après jour, avant de partir au travail. C'est vrai, c'est ça le créneau de ma chaîne, tu le connais. La bonne humeur, un petit peu de débilité tous les matins avant de commencer la journée. Alors aussi tu m'as demandé, est-ce que tu pourrais filmer la night, la nuit, au plus profond du fond du fion de l'enfer de chez Lucifer. Oh là le diable en elle. Oui, on va y aller. Donc, j'ai prévu une petite sortie la nuit avec un ride, une balade de vélo. Mais les vrais vélos, à pédale. Que des bicyclettes, frérot. Et quelques e-bikes qui vont se pointer là-bas. Donc, ça sera vendredi soir à 7h30. Le soleil se couche vers 8h. Donc, forcément, on sera sous la night. Alors, le GoPro, le 8, le 12, Carbu 32. La nuit, il n'aime pas ça. Donc, la qualité, faudra pas pleurer. Hein. Ah ouais, c'est moche. Ah ouais, c'est pas stabilisé. J'y vois rien, le grain et tout. Bon, on ira pour ton plaisir. La popo, la police, je te promets, il y a gros embrouille là-bas. Et regarde, ils filment et tout. Et reste tranquille. Les réseaux sociaux, ils filment et tout, au cas où. Il y a un dérapage, je te promets. Un dérapage des forces de l'ordre. C'est filmé. Regarde, 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 regarde. Je vais y aller tranquille, tranquille. Delta, zéro, delta, zéro, delta, zéro, zéro, fion, fion. Ouais, fion, fion, ouais, fion, fion. T'as le droit de les filmer, hein. C'est une entité publique, la police. Reste tranquille, coup de tête, manchette, balayette. Reste tranquille, mon frérot, reste tranquille. Bro. J'habite de l'autre côté, ok? I'm just translating, yeah. Donc tu vois ce que tu fais, frérot? Regarde, j'habite.
Est-ce que t'as des papiers, mon frérot? Moi, montre tes papiers, les sans-papiers, là. L'immigré. Reste tranquille. T'es un abruti, le flic. T'es un abruti, enculé de flic. T'es un abruti. Mais c'est un business, c'est chez lui. T'as pas le droit de vivre ici. C'est chez lui, c'est son business. Mais c'est, on s'en fout, frérot, c'est pas grave. J'ai des droits, j'ai le droit de rester ici, c'est tout. Je suis un résident des États-Unis. Il ment, c'est un menteur. Marseille, aïe. Voilà, tu fais chier la police, tu fais chier la police. Tu me fatigues. T'es vraiment un idiot, quoi. T'es un abruti. Tu fais chier, je vais m'énerver. Oh, good. Oh, good, ça va. Regarde, je prends ta photo du policier. Tu fais chier. La police, bah, elle arrive, les renforts. Delta, Giro, Delta, Giro, Delta, Giro, Giro, Fion, Fion. Ouais, Fion, Fion. J'appelle, tu vois l'hélico? Bon, je ferai, t'inquiète. Je m'en occupe, frérot. Je suis un résident des États-Unis, c'est tout. Un champion du monde. Bon. J'habite ici depuis 28 jours. Je suis un résident, frère. 28 jours, je suis résident. Mon copain, il habite pas ici, mon mec. Le copain. Voilà, c'est tout. J'ai pas de papier, mais j'habite ici. Je suis un résident, c'est tout. Un sans-papier résident. Depuis 28 jours. Bon. Je suis un champion du monde, frérot. T'es un idiot ou quoi, la police? T'es débile ou quoi, espèce d'idiot de policier de mes couilles? La police, tous des idiots. Tous des débiles. Espèce de connard. Fatigue, celui-là. Zarma la chouma, zouille. You ready? Il m'a regardé bizarre avec son casque. De la grande vadrouille. Bon, on est là, les gars. Waouh, les génies, elles sont belles et tout, la Harley. Nice bike, dude. Thank you. Putain, la meuf. Oh là 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 là. Elle avait tout ce qu'il faut où il faut. Magnifique. Ah, lui, c'est un vrai bonhomme. Sans interdit. Il a la Harley, les muscles, la barbiche, il aura la femme. Alors, justement, à propos de Suron, la fête est plus fun, F-O-N, en Suron. Tu m'as demandé un petit peu les lois en Californie. Alors, il faut savoir qu'il y a 50 États aux États-Unis. En gros, 50 mini-pays. Donc, des lois propres à chaque État. Par rapport aux motos, aux voitures, etc. Au tuning. Jackie Tuning. Jackie Tutu. Jackie Tuning. Donc, le Suron, c'est compliqué à Paris. Donc, il y a des classes vélo électrique. Il y a des mobilettes. Donc, tu peux aller à la préfecture, faire les papiers. Ouais, Robert, j'arrive. Le Parigot tête de veau. Très vénère à Paris. Donc, tu peux matriculer une mobilette sous le statut mobilette. Qu'est-ce qui fait d'une mobilette une mobilette? Un vélo motorisé mobilette, slash mobilette. Donc, il faut qu'elle ait pas plus de 4 chevaux, que la vitesse de pointe soit limitée à 50 km/h, qu'elle ait les pédales qui fonctionnent, oui monsieur, et voilà pour les vélos motorisés slash mopeds en Californie, pour s'immatriculer. Ça peut être essence, ça peut être électrique, etc. Alors l'exception, c'est que la mobilette électrique à cale-pied, si elle est électrique, elle n'est pas obligée d'avoir les pédales qui fonctionnent. Tu vois, c'est bizarre, c'est plus une mobilette, mais bon. Donc tout ce qui est essence doit avoir les pédales et la chaîne à vélo fonctionner. Là là là, je pédale, là là là, la mobilette, là là là. Mais si c'est électrique, pas plus de 50 km/h, t'as le droit au cale-pied. C'est bizarre, je sais, j'y comprends rien. Donc ça, c'est la catégorie mobilette. Ce que j'avais à l'époque au shop, et j'ai matriculé mes mobilettes sous le statut mobilette. Car en mobilette, on se la pète. Ensuite, pour tout ce qui est vélo électrique, assisté électrique, on va dire. Donc, tu as trois classes. Classe numéro 1, je vais me faire faucher là, dans le tournant. Ah oui, ils sont vénères, les mecs, ils sortent de l'autoroute et tout. La voie vélo, ils en peuvent plus, les mecs. Les embouteillages et tout, c'est compliqué. Donc, tu as la classe 1 en Californie. C'est le moins rapide des vélos, c'est le petit vélo assisté électrique. C'est-à-dire que pendant que tu pédales, le moteur s'enclenche, ok. Là, 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 c'est assisté, là, 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 jusqu'à 30 km/h, pas plus. Ensuite, ça coupe, ok. Tu as la classe 2, où c'est le même vélo, assisté électriquement avec les pédales, là, là, là. Mais par contre, tu peux actionner le moteur à la poignée. Tu peux contrôler le moteur, c'est-à-dire que tu peux pédaler sans le moteur, là, 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 là. Dès que j'accélère, tac, ça avance, ça assiste. À la manette, pas à la pédale, à la manette, ok. Mais pareil, c'est limité à 30 km/h. Tu as la classe 3, des vélos électriques, qui eux sont pédales assisted, c'est-à-dire il n'y a pas de manette je crois, en tout cas tu ne contrôles pas le moteur à la manette. Au pédale, dès que tu pédales, whoop, le moteur se lance et t'aide, mais ça plafonne à 50 km/h. Ok. Et donc pour tous ces vélos-là, la puissance maxi dans ces trois catégories doit être de 750 watts maxi. Donc, pour résumer, tu m'as dit, ton Suron, est-ce qu'il est légal sur la route?
Alors on va dire en tant que vélo électrique, non, car il ne rentre pas dans les trois catégories que je viens de citer. Ok ? Il est à quel pied ? Il a 6000 watts, donc déjà il est au-dessus. Le pic, ok ? Le wattage, pic, 6000, de 3 à 6000, ok ? Donc il est au-dessus de la puissance autorisée 750 watts pour les vélos électriques. Donc lui, il est par-dessus les trois catégories. Merde, j'ai pu compter. Jean-Claude Van Damme. Et voilà. Wembang Van Damme. Exactement. Wembang Van Damme. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est coup de tête, manchette, balayette. Mawashi et spinning back kick. Ok. Wembang spinning roundhouse. Pour être précis. Wembang Van Damme. C'est pas Jean-Claude Van Damme, JCVD, je sais pas quoi. Veni Vidi Vici. C'est autre chose, c'est la culture américaine. Jean-Claude, merci, on t'aime. Donc, voilà, donc le Suron ne tombe pas dans la catégorie vélo électrique. Les trois classes que j'ai annoncées. Trop de puissance et même pas de pédale, tu vois. Pédale to the metal. Par contre, je me suis trompé sur les lives Insta. Il pourrait tomber dans la catégorie mobilette, vintage young timer électrique avec les cale-pieds. Mais le problème, c'est qu'il est trop puissant. Il roule pas à 50, il roule à 80. Bah. Donc il est là. Or la loi, cette saloperie. Donc tu peux l'immatriculer, mais tu vas ruser la préfecture. Tu mens, en gros. Donc tu peux l'immatriculer, techniquement parlant. Le mieux, c'est de l'immatriculer en tant que mobilette. Comme les vieilles mobilettes de temps. Vintage young timer électrique, auquel on autorise les cale-pieds en Californie. Mais qui va trop vite. 80 km/h contre 50 ici autorisé pour la mobilette. La Peugeot 103, voilà. Donc il est un peu bâtard comme véhicule et tu peux l'immatriculer, mais si tu te fais arrêter, peut-être que la police pourra dire ouais je connais l'affaire, tu vas prendre ma affaire. Pas à moi mon Valentin, coup de tête manchette balayette, pas à moi. Coup de genou dans les couilles tout de suite là, coup de tête dans les couilles. Donc voilà, si le flic le connaît, il dira ouais ça c'est un Suron, ça roule à 80, c'est trop puissant. Ça fait pas comme les mobilettes, 4 chevaux maxi, 50 km/h. Donc t'es au-dessus de la loi frère. Donc à part si tu roules peut-être à 50, tu t'arrêtes, tu vois, tu brides, je sais pas. Donc c'est vraiment a grey area. Les Suron, c'est plutôt, bah voilà, la fête est plus fun. C'est plutôt pour le off-road, les sentiers, les trails et le tout-terrain, ok. Si tu veux les matriculer en tant que moto, tu peux, 50cc, puisque c'est presque une moto, à 80 km/h, mais il n'a pas les clignotants, il n'a pas les rétros, donc c'est compliqué. Ni le feu stop, je crois. Donc tu peux l'immatriculer moto, ça va coûter plus cher, la vignette à renouveler tous les ans, le tag à l'arrière, et c'est chiant. Et en plus, si tu te fais arrêter, la police peut dire « Ouais, il n'y a pas le feu stop. Je vous arrête parce qu'il n'y avait pas de feu stop quand t'as freiné. » Ah bah merde, assez de moto, très bien, en règle, mais t'as pas le feu stop. Donc tu peux faire la conversion, adapter un feu stop, mettre des clignotants. Tu peux faire plein de trucs si tu veux, mais au bout du compte, at the end of the day, comme on dit, à la fin de la journée. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Moi, c'est tous les matins, voilà, 5h du matin en France. À la fin de la journée, at the end of the day, pourquoi tu vas te faire chier à immatriculer ton Suron qui n'est pas immatriculable? Je sais pas si c'est français, j'ai pas mon Becherel. Alors que voilà, you fly under the radar. Tu voles furtif sous le radar ici. Personne s'en fout de ton Suron, de ta gueule de blanc-bec sur ton Suron, en sens interdit sur les trottoirs, qui est même pas immatriculé, qui est même pas assuré. Donc c'est mieux de pas l'assurer, de prendre des risques et voilà, si tu te fais contrôler, bah tu te fais contrôler, ils te l'embarquent. Bon, sans moyen de le récupérer puisqu'il n'y a pas de... T'es propriétaire, t'as une carte grise? Non. Il est à toi? Bah non. Sur papier, il est à personne, frère. Il est à moi. Eh, t'es à moi, tiens. T'es à moi, tiens. Le flic, tu vois, t'es à moi, tiens. C'est pour mon fils. Le flic, tu vois, il applaudit. Ouais. T'es à moi, tiens. T'es à moi, tiens. Eh, t'es à moi, tiens. T'es à moi, tiens. T'es à moi. What the fuck, anyway. What the fuck, celui-là. Anyway. Enfin, bref. Je continue ma conversation. Elle applaudissait. Parce qu'elle racontait, elle applaudissait. Il y a du beau ici. Tu m'as dit, pourquoi tu ne filmes pas la maison? T'es un mec de la street, t'es pas un casanier, tu filmes toujours à l'extérieur. Parce que ma femme, j'ai répondu sur Instagram, ne veut pas que je filme à la maison. 30 ans de carrière Hollywood qui lui a sucé toute son âme, tout son trognon, son trou du fion, m'a dit bon bah c'est bien ton YouTube, je soutiens, mais bon, tu gardes la vie privée privée, ma cuisine, ma salle de bain, la femme de ménage, je sais pas quoi, la chambre d'invité, et voilà, tu filmes ailleurs frérot, dans la street, ok. Une fois que tu passes la porte, tout va bien à l'extérieur, tu vois. Mais dans la maison, c'est notre vie privée. Tu fais pas rentrer Hollywood et le showbiz, c'est pareil. Hollywood! The show business. On en fait un gros business. Je démarre à toute vitesse, tu vois, non. Donc j'ai respecté la volonté de ma femme. C'est vrai. Donc faut bien séparer les choses. D'ailleurs, t'as validé. Tu m'as dit, ouais, il faut bien séparer, garde ta vie privée. Très bien.
Mais bon, voilà, c'est pas que je suis pas casanier, c'est que, voilà, je filme toujours dehors, moi. J'ai pas de studio, j'ai rien du tout. J'ai plus de shop, sniff sniff, j'ai tout vendu, l'atelier. La nostalgie, tu m'as dit. Ça te manque pas, mon daddy. J'ai perdu mon shop, mon atelier. J'ai tout vendu. J'aimais bien la mobilette, mais c'est fini. Voilà, va pleurer, bouffon. Voilà, dégage, connard. On s'en fout de ta vie et de ta mobilette. Et la passion mobilette. Moi qui aimais la mobilette. On m'a tout retiré. La passion mobilette. Il nous a quittés. Je me désabonne. Je me désabonne. T'en fais pas, Robert. Y a pas que la mobilette dans la vie, y a les belles Jenny. Voilà, un bien pour un mal, comme on dit. Salut les Jenny, vous êtes très belles. Merci. Merci. Tu vois, c'était des Françaises. Moi, j'ai toujours le chic pour tomber sur les Françaises. Merci, elle a été gentille. Pas comme à Paris, tu m'as dit où elle court. Se cacher dans la cathédrale, frère. Et là, y a du sale, bien sûr, du vulgaire à Los Angeles. Que du vulgaire, les gars. Ah bah, c'est beau tout ça. Hein. Ah, c'est du bon. Hein. C'est propre. En Californie, ils sont propres là-bas, hein. Sans gêne et tout. C'est l'enfer ici, quoi. Le démon, le diable, les vices. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Le vice. Pas des rétros, Satanas. Bon, bah voilà, j'espère que j'ai répondu à des questions. Dans la bonne humeur et la débilité, comme d'habitude. Merci en tout cas pour tout, hein. Merci pour le soutien, les copains. Tu vois, il a besoin de soutien, lui. Help. On va y aller. Il a donné, d'ailleurs, il a donné la pièce. J'ai vu ça. Il a donné. Bravo. Bravo. Non, c'est vrai, bravo, faut le dire. Il a pas compris. Bravo, well done. Now I'm gonna give him a dollar. I was just giving you props. Okay. Beautiful, that's beautiful. Thank you. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre, bâtard? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné un dollar, reste tranquille. Du lourd, du lourd, du lourd. Reste tranquille. Putain, la caméra 300, les bikes, voilà, c'est ça, vendredi soir, que des bikes comme ça. On va bien rigoler avec les bikes, la night, ça va être beau, les gars. Bon, putain, les Jenny, belles, wow, beautiful. T'as vu ça? On était un peu timide. Robert, on va lui donner hors caméra pour pas le gêner. Hors caméra, il est là, Robert. Voilà, j'ai la preuve, ok. Je vais lui donner hors caméra. Je vais donner 2 dollars quand j'en aura plus 2 euros. Marseille prend la galère. Bon, voilà, les gars, tu l'as compris. On rigole ici, les belles Jenny, les françaises. Les mini bikes. Les mini bikes. Je vais faire écraser. Obligé pour le shot. Les mini bikes. Les mini bikes. The mini bike. The fucking mini bike. Et les gros, c'est du Z. Z, Z, baby. Woohoo. Z, Z. Yeah, what's up, G? What's up, my man? Alright. Be safe, right? What's that? Cruising down? Yeah, just cruising. The sunset is coming, you know what I'm saying? Alright, so I'm gonna let you ride. Be safe, alright? Do your thing. On va te laisser rider, mon frérot. Cruising, ouais, on fait du cruise. Tranquille, sunset, il arrive, on est là. Bon, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant la prochaine, gardez toujours. Malheur de you! Avec un grec! Oh la grosse! Elle est énorme! Comme les pecs du skater! Bling bling! E3, les Françaises arrivent! E2! E1! Et lâchez les commentaires, le t-shirt là! Delta, Giro, Giro, Fion, Fion! Gratos, cousin! Patate! Allez, 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 allez! Les peurs! Les peurs! On veut du peur! On veut du peur! Déchire tout! Fonce! Fonce! Défonce! Défonce! Fonce! Fonce! Défonce! Et défonce! 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 Défonce tout! Défonce! Oh shit! YouTube, c'est du boulot, hein! La vérité, c'est du boulot! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la YouTube money? Yeah.